Épargner de l'argent de manière intelligente et payer avec des métaux précieux. Et oui, des métaux précieux. Eh bien, c'est possible. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui je vais donc te présenter Veracash. Il s'agit donc d'une plateforme spécialisée dans les achats de métaux précieux, mais il n'y a pas que ça, puisque tu vas pouvoir aussi bénéficier gratuitement d'une carte de paiement qui sera donc reliée à ton compte Veracash. Et elle est plutôt jolie je trouve en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses de cette carte dans la barre des commentaires. Mais ce qui est vraiment fou, c'est qu'on va faire des tests juste après et qu'en fait je vais pouvoir payer avec cette carte de paiement, mais en fait elle est directement reliée à mes métaux précieux. Je trouve que le concept est juste génial. C'est très important, mais Veracash existe depuis 2012 et est une filiale du groupe Au Coffre, qui est une entreprise en fait française et qui a plus de 10 ans d'expérience dans le domaine, que ce soit l'achat et la vente d'or et d'argent métal en ligne. C'est même une entreprise plutôt connue dans ce domaine. Tous les métaux que tu vas acheter chez Veracash sont stockés dans des coffres au port de France Genève, qui est un endroit ultra sécurisé. C'est vraiment une information importante. N'hésite vraiment pas aussi de ton côté à faire des recherches et aussi à regarder sur leur site internet, puisqu'il y a pas mal d'informations concernant ça. Voilà, le compte Veracash se crédite aussi en achetant des métaux précieux 100% physiques et certifiés LMBA. Et pour te faire simple, les euros crédités sont instantanément convertis en grammes d'or ou alors en grammes d'argent. Si tu souhaites avoir plus d'informations, le lien d'un article est dans la description de cette vidéo. J'ai pu te présenter énormément de cartes de paiement sur ma chaîne YouTube, que ce soit via diverses néobanques ou bien alors à côté avec de la crypto-monnaie qu'on peut associer à une carte de paiement. Et aujourd'hui, c'est les métaux précieux qu'on va pouvoir donc associer aussi à une carte de paiement. Et je trouve que le concept est vraiment intéressant. Et aussi avec toutes les cartes que j'ai pu tester et tous les différents concepts, ça me permet aujourd'hui d'avoir un certain recul et de pouvoir en tout cas te donner une belle analyse sur le sujet. Bref, j'arrête de blablater et c'est parti pour les caractéristiques de cette fameuse carte Veracash. L'inscription est simple et rapide, puis tu peux le faire tranquillement depuis chez toi. Une application qui est gratuite et qui se nomme Veracash et qui est disponible sous iOS et sous Android. Et il s'agit aussi d'une carte de paiement Mastercard en PVC que tu vas pouvoir utiliser partout dans le monde. Pas de frais et pas de commission sur les retraits et paiements en dehors de la zone euro. Et bien entendu aussi, le paiement sans contact est disponible, ainsi que le système de paiement sécurisé 3DS. Depuis l'application, il est possible de suivre en temps réel le prix des grammes d'or et d'argent, ainsi que ton solde et la plus-value latente. Tu reçois aussi assez rapidement en fait la carte dans une petite enveloppe qui t'indique aussi un petit peu tous les différents process que tu vas devoir faire pour l'activer. Donc c'est vraiment pas compliqué, elle est juste ici la carte. Et voilà, en tout cas j'ai vraiment été assez content, je l'ai reçu très rapidement et surtout en plus de ça, bah, c'est gratuit. On se retrouve donc sur leur site internet, le lien est dans la description de cette vidéo avec le prix des grammes d'or et d'argent en temps réel. On va avoir le gold spot, le gold premium et l'argent métal. Tout en bas à droite, comme on peut le voir, on a un système de chat, donc ça c'est assez sympa si jamais tu as des questions à leur poser, sinon tu as de belles FAQ, donc j'active et tout. Payer et envoyer de l'argent instantanément et sans frais, donc ça c'est une bonne chose. Alors ce qu'il faut savoir, c'est quand on va mettre de l'argent sur notre compte, ça sera automatiquement, comme ils le disent, eh bien transformé en VRC. C'est vraiment pas compliqué, puisque 1 euro vaut un VRC ou alors un Veracash. Tu fais comme tu veux, tu peux le nommer VRC ou bien Veracash, on verra ça juste après. Sécuriser de votre compte et votre épargne, gérer votre compte, donc ça c'est plutôt pas mal, on va voir ça juste après aussi avec un système d'historique puisqu'on va faire un achat. Alors là, ce que je voulais aussi te montrer, c'était vraiment le gold premium et le gold spot, une sorte de petit comparatif, parce que c'est vrai que des gens peuvent se poser la question et ça va être surtout au niveau de la fiscalité. Si on aura donc la comparaison rapide du gold premium et du gold spot, en fait ça va vraiment être au niveau de la fiscalité quelque part. Et si jamais tu es résident français ou pas, si tu es résident français, je te conseille du gold premium. Alors c'est sûr, comme on peut le voir, tu as 3% en début de frais de gestion comparé à du gold spot où il n'y a que 0,5% de frais de gestion. Mais vu que tu es résident français, ici en fait il y aura une exonération fiscale par transaction ici de moins de 5 000 euros, donc tu es exonéré si jamais tu as moins de 5 000 euros. C'est là où c'est très intéressant, en tout cas ici le gold premium. Après tu fais comme tu veux, tu peux aller dans du gold premium ou alors dans du gold spot et mettre aussi un petit peu en argent. Ici on va donc regarder graphique et cours de l'or, parce que c'est vraiment bien fait sur leur site internet. Je te conseille vraiment de regarder tout ça. Alors si on regarde en haut à gauche, on va voir la matière. Ici on a sélectionné l'or, l'unité, donc on va être en grammes, la devise en euros, ce qui est logique, et le cours. Alors là je vais te donner pour exemple
le cours du Gold Premium. À droite, donc là actuellement on est en 5 jours, on passe en 1 mois. Et comme on peut le voir, alors actuellement on est à peu près à 55€ le gramme, ce qui est vraiment intéressant, puisqu'il y a environ 1 mois on était à 54€. On était légèrement plus bas, il y a une variation finalement positive. On est aujourd'hui à 55€, mais on était dans la quarantaine d'euros, on va dire 45€ environ. Et c'est là où tu peux voir vraiment qu'il s'agit vraiment d'un investissement sur le long terme. Alors si on regarde depuis ces 5 dernières années, alors là on voit vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Il valait à peu près 30-35€ à l'époque le gramme, et aujourd'hui il en vaut 55. Donc vraiment il y a une magnifique variation, en tout cas une magnifique croissance, mais c'est vrai que ça se fait sur le long terme. Vraiment pas mal, parce qu'en fait tu auras un pseudo public qui sera créé, donc ça que publiquement tu vas pouvoir donner, et tu auras un identifiant qui te sera attribué, qui est assez long, et bien entendu un mot de passe à 4 chiffres. Donc ça permet vraiment de renforcer ta sécurité, puisque tu auras un identifiant qui va être créé aléatoirement et vraiment qui sera assez costaud. Alors là, comme on peut le voir, mon solde disponible, donc ici on a 0 VRC ou 0 Vera Cash, qui équivaut à 0€. Forcément on va devoir déposer et faire un virement bancaire. Donc le détail en tout cas ici de mon solde, ici on va donc cocher, hop, j'ai bien reçu la carte de paiement, je valide. Donc si on clique sur ma carte de paiement, le plafond quotidien actuel de ma carte, donc ici c'est 500 VRC, donc en gros 500€. On va pouvoir aussi modifier ce plafond là, donc c'est plutôt cool. La consommation du plafond quotidien, on aura aussi accès bien entendu à des statistiques pour savoir à peu près combien tu as dépensé, combien il te reste. Consommation du plafond mensuel, etc. Et dernière petite chose assez cool, c'est au niveau de la sécurité, tu vas pouvoir activer ou désactiver le paiement sans contact. Tu vas pouvoir aussi bloquer ou débloquer ta carte de paiement ou faire opposition à ta carte. Ici c'est plutôt intéressant, puisque tu vas pouvoir répartir les achats de tes métaux précieux en pourcentage. Par exemple le gold spot on va mettre 20%, le gold premium on va mettre 80%, tu peux même mettre de l'argent si tu le souhaites, et tu vas répartir tout ça, et puis en dessous tu as le total de 100%. Donc ici si on regarde mon solde disponible, qui est de 49,41 VRC ou Vera Cash, qui équivaut bien entendu, comme je te l'ai dit, à 49,41€, puisque 1 VRC vaut 1€. Si on regarde, c'est très intéressant, juste en dessous en fait, en tout petit, on a plus-value latente 0,91 VRC ou alors euros. Et en fait ça c'est la plus-value latente, c'est en fait ce que j'ai gagné grâce, si tu veux, un peu aux variations au cours ici du gold premium, puisque au final j'ai décidé de mettre 50€, en fait 100% de l'argent que j'ai déposé dans du gold premium. Remettre 50€ ou 50 VRC au final. Alors il y a plusieurs solutions, la carte de paiement bancaire ou le virement, c'est très important, mais la première transaction que tu vas effectuer sur ce compte Vera Cash, obligatoire, c'est un virement bancaire. Après tu vas pouvoir le faire par une carte de paiement, et ça c'est plutôt cool, et c'est ce qu'on va faire ici. Donc je vais mettre 10% en gold spot, 70% en gold premium et 20% en argent. Et comme on peut le voir à droite, par exemple 10% de 50€ en gold spot, ça équivaut aujourd'hui à 0,09 grammes de gold spot. Je vais acheter pour 0,6 grammes de gold premium, c'est très important. Mais comme on regarde là aussi au niveau de l'argent, j'ai mis 20% donc des 50€ dedans, donc ça équivaut, l'argent est beaucoup moins cher, ça équivaut à 12 grammes. C'est vrai que c'est assez drôle, il va falloir s'y habituer. Donc là je fais créditer votre sélection, en tout cas produit, donc on a vraiment un petit résumé. Donc total à payer ici, je vais payer avec ma carte de paiement 50€, et je vais avoir 0,09 gold spot, 0,6 gold premium et 12 grammes d'argent. Donc c'est assez cool. On fait accéder au paiement, puis après voilà, process habituel avec une carte de paiement. Ici j'accède donc à mon compte, mon solde disponible, donc forcément j'ai plus parce que j'ai déposé 50€, donc ici 50 VRC supplémentaires. Donc on a 97,64 VRC ou Vera Cash, plus-value latente qui est toujours à peu près pareil, 0,91. Et détail de mon solde, donc ici c'est plus intéressant en tout cas à te présenter, à te montrer, puisqu'en gold spot donc j'ai 0,09 grammes. Par contre en gold premium j'ai 1,5 grammes, ce qui équivaut à 83,36 VRC. Voilà, donc ça c'est intéressant, et d'ailleurs j'aime bien aussi cette répartition en pourcentage, donc ce qui équivaut à peu près à 85,37% en tout cas de l'argent que j'ai pu que j'ai dans mon solde. Donc c'est vraiment cool. Et on a aussi les derniers relevés, donc ici avec les frais de gestion euros et produits. Donc c'est pour ça qu'aussi tu auras des petits frais, mais qu'avec les variations, eh bien tu vas pouvoir remonter. C'est ce qui est le cas ici avec la plus-value latente, puisque je
je suis en positif ici de 0,91 VRC. Bon allez, c'est parti, on va donc effectuer plusieurs tests à l'extérieur. Retirer de l'argent, j'ai pris le distributeur le plus proche de chez moi. On va les retirer 20 euros. Donc voici, je vais tout simplement insérer ma carte Veracash à l'intérieur. Tac. Va falloir tout simplement taper le mot de passe. Pas ici sélectionner 20 euros pour tester la carte Veracash. C'est incroyable parce que c'est vraiment directement lié aux métaux précieux. Et voilà, voulez-vous un ticket? Donc non, incroyable. Je récupère la carte Veracash et ici les 20 euros. Ici des petites courses. Et puis on va payer donc avec la carte Veracash tout simplement. Donc mettre la carte qui est juste ici. Et puis voilà, paiement accepté, directement relié à, donc, à mes métaux précieux, nickel. Et donc ici, nous allons payer en sans contact le paiement par carte bancaire. 1 euro. Tac. Le paiement a été accepté avec la carte Veracash, nickel. En tout cas, tout fonctionne, que ce soit le retrait, forcément, le paiement pour faire des courses et que ce soit le sans contact. On retrouve donc sur leur application et là ça va vraiment être très intéressant puisque j'ai effectué un retrait, j'ai payé donc des courses juste à côté de chez moi et en plus de ça j'ai fait un petit paiement sans contact. Donc on a actuellement donc mon solde disponible 53,68 VRC et la plus-value latente juste en dessous c'est 0,96 VRC, donc c'est très intéressant puisqu'il y a aussi des variations bien positive en ce moment. Au niveau des dernières transactions, comme on peut le voir, eh bien, il y a bien les transactions, c'est-à-dire en quasiment en temps réel, concernant un peu les achats de tout à l'heure. Alors là, par exemple, ici, on va voir le dépôt de 50 VRC, le dépôt de 50 euros, puisque un VRC, c'est 1 euro, tout simplement, donc c'est vraiment pas compliqué. Et par exemple, ici, on peut voir, voilà, un peu les dernières transactions, 23 VRC, c'était quand je suis allé faire des courses, 20 VRC, c'était le retrait. Au niveau du menu, voilà, ça reste un petit peu la même chose que ce qu'on peut avoir en tout cas sur leur site internet, sur leur plateforme, et on peut aussi plus ou moins modifier que ce soit ta consommation plafond quotidien. Donc ici on peut voir que j'ai dépensé 44 VRC. On va voir mon plafond, donc ici plafond actuel de ma carte de paiement, ici c'est 500 VRC et je peux même monter dans la limite de 3000 VRC, 3000 euros maximum. Franchement, c'est vraiment très intéressant. Au niveau de la sécurité, comme je te l'ai dit, on a aussi la possibilité d'activer ou de désactiver le sans contact, de activer ou de bloquer ta carte de paiement ou de faire opposition aussi à ta carte de paiement. Donc vraiment, c'est pas compliqué. Tu te connectes assez rapidement, en tout cas sur ton compte Veracash. Donc ici, tu vas pouvoir aussi créditer de l'argent, tout simplement. Donc imaginons, on va mettre 50 euros. Donc ici, ce qui équivaut à 50 VRC. Et depuis l'application, c'est vraiment bien parce que voilà, il va te répartir en pourcentage déjà un petit peu ce que j'ai fait, un peu comme stratégie. Après, tu fais ce que tu veux. Tu mets un petit peu en gold premium, en gold spot. Et puis voilà. Donc vraiment l'application, ça va, je la trouve plutôt sympa. Bon, en tout cas, ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir te présenter cette carte aujourd'hui. N'hésite vraiment pas à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires et si tu souhaites que je fasse plusieurs vidéos à ce sujet. Quand tu vas vouloir épargner, que ce soit dans les métaux précieux, que ce soit dans la crypto-monnaie ou que ce soit dans la bourse, de passer par des plateformes spécialisées en la matière. C'est très important parce qu'ici, je te présente Veracash parce qu'ils sont vraiment spécialisés, ils s'y connaissent. Et surtout, de faire attention, de toujours essayer de regarder quelle plateforme est la plus spécialisée et qui propose en tout cas les offres les plus intéressante. Bon, merci à tous les gens, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir. De me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.